Les gars, c'est quoi cette merde? Oui, cette merde là, c'est quoi ça? Vous pouvez m'expliquer pourquoi YouTube est en train de se faire infecter de Skibidi Bob toilettes de merde de je sais pas quoi? C'est quoi cette tête là qui sort des toilettes? Vous pouvez m'expliquer, mais où va le monde? Où va YouTube? Entre les YouTubeurs qui font des vidéos produites de zinzin avec des prods de fou, on parle de projet de monter l'Everest, et à côté il y a des toilettes, des Skibidi Bob toilettes, des Skibidi Bob Bob. Expliquez-moi, c'est quoi cette histoire? Je veux une explication. Aujourd'hui, on va se renseigner sur ce sujet parce que je n'ai pas trop compris, je vous avoue. J'ai hier soir vu dans mes recommandations une vidéo de Unchained Off disant la vérité sur Skibidi Bob Toilette. Donc moi, je clique. Da fuck boom. Quasiment 10 millions d'abonnés. Ces 30 derniers jours, il en a gagné 6 500 000. Et a fait plus de 3 milliards de vues. 3 milliards de vues. Les Chocopops, 3 milliards de vues. Et c'est pas tout, c'est pas la seule vidéo que j'ai vue. Kibidi Toilette 38 qui a fait 36 millions de vues. Kidibi Toilette 36 qui a fait 64 millions de vues. Skidibi Toilette 39 qui a fait 29 millions de vues. Skidibi... Là, il y a que des Skibidi toilettes et je ne comprends pas c'est quoi cette histoire. Alors, vous savez quoi? On va aller sur Google, c'est simple. Skibidi toilettes, c'est quoi? Voilà, regardez. Est-ce que je suis sérieusement en train de faire une vidéo sur des toilettes avec une tête étrange à l'intérieur? Oui, à défaut de ne pas avoir appris par cœur mes cours d'histoire, j'ai envie de savoir cette histoire. J'espère que vous aussi. Installez-vous confortablement dans votre chaise. Préparez votre petit pot de popcorn. Aujourd'hui, nous allons nous renseigner sur l'origine de Skibidi toilettes. Pourquoi il y a autant de youtubeurs qui font autant de vidéos dessus? Et comment se fait-il qu'il y a autant de personnes qui regardent des vidéos sur cette merde? Sur ces toilettes? Sur oui? On peut dire ça, c'est très bizarre dit comme ça. Et bah qu'est-ce que c'est Skibidi Toilette? Lisons tout de suite le descriptif qui est sur Google à propos de ce jeu. Et bien avant d'en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Et bah non, on ne balance pas encore la pub. N'hésite pas toi qui regarde cette vidéo de t'abonner avec la cloche notification, ça me fait vraiment plaisir, ça permet vraiment de soutenir cette chaîne. À lâcher ton plus joli pouce bleu si t'aimes mes vidéos, voilà, ça fait plaisir. Objectif 20 000 pouces bleus, sympa, sympatoche. Et évidemment, avant que la vidéo débute et qu'on comprenne ensemble qu'est-ce que c'est que Skibidi Bob. Toilette, on fait quoi? Choco? Au départ, Choco, bah... Eh ben non, c'est encore un faux dé. Je suis insupportable. Ok, Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. À propos de ce jeu, le jeu Six Skibidi Toilette de Hunter est un jeu d'horreur avec un personnage de toilette Skibidi Toilette et c'est aussi un jeu d'action. Mais attendez, c'est pas du tout l'explication de qu'est-ce que c'est que Skibidi Toilette. Peut-être si on écrit en anglais. What is Skibidi Toilette? Voilà. Oh, on a enfin la traduction, enfin. Parce que de base, je sais pas si vous connaissez Skibidi Bob Bob Bob. Yes. Skibidi Dap. On se calme. C'était une trend, c'était une tendance TikTok. Il y avait un gars bah, qui faisait tout le temps Skibidi Bob Bob avec un son et avec son ventre, il le faisait bouger, il dansait. C'est ça. Pour moi, de base, c'est Skibidi Bob. Yes. Skibidi Bob. Bref, c'est ça. Et il y a eu du coup un remix Skibidi Toilette et j'ai la réponse. C'est écrit en anglais. Skibidi Toilette is a horror. Bon, on va pas commencer à lire en anglais. On va traduire ça pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Il va falloir suivre vos cours d'anglais parce que ça va pas trop le faire. Ok, anglais, français, voilà. On va laisser la voix parler. Skibidi Toilette est un jeu d'horreur dans lequel vous incarnez une personne poursuivie par une tête de toilette effrayante. Donc en fait, c'est clairement ça. C'est un jeu d'horreur où en gros, on incarne une personne qui est poursuivie par une tête de toilette effrayante. Je sais pas quoi dire de plus, c'est assez clair. Écoutez, je viens de comprendre avec vous qu'est-ce que c'était Skibidi Bob Toilette. Je vous propose qu'on regarde les vidéos des Skibidi Bob Toilette. Pourquoi il y a des 66 millions de vues? Comment c'est possible qu'il y a des milliards, mais des milliards de personnes qui regardent des vidéos YouTube et qui vont se mater des vidéos Skibidi Bob... J'arrive pas à dire. C'est pas Skibidi Bob, c'est Skibidi... Oh, c'est trop compliqué. Il y a des alternatives de Skibidi B. On parle pas là de Skibidi Bob Bob Bob. Yes. Skibidi Double. On parle là de Skibidi Bob. Ah! Mais je vais devenir folle à cause de Skibidi B Toilette. Ok, c'est bon. Allons voir tout de suite les chances de Skibidi B Toilette. Et donc là, il y a Skibidi B Toilette 38, 36 millions de vues. Et alors, il y a intérêt à ce que ce soit intéressant parce que là, je comprends pas. 36 millions de vues. C'est ça. Alors, c'est quoi ça? Wesh! Mais attendez, mais c'est super flippant! Super Grinch! C'est super Grinch! Poursuivons. Non, attendez, c'est quoi ça? Wesh! Mais là, pardon, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Les effets sont trop stylés, mais ça fait super peur. Attendez, je vais éteindre la lumière pour que ça fasse encore plus peur. N'hésitez pas à éteindre la lumière aussi chez vous. Là, je vous avoue que je suis un petit peu dans un mood où ça fait un peu peur. Mais ouais, je vous imaginez, il y a plein de petits qui prennent les téléphones de leurs parents, ils sont là, ils regardent des vidéos, des shorts. Vous imaginez, ils tombent sur ça, mais c'est traumatisant. Hein. Moi, vous montrez ça quand j'étais en primaire, je suis sûre que je suis traumatisée. Je fais des cauchemars. Ouais. Ah
Je vous ai dit, moi je suis âme sensible. I am âme sensible. Wesh, attends, on va regarder les commentaires. Ah, c'est quoi cette grosse tête que fait. What? Yo, why does this look so good? Je comprends pas. Pourquoi ça a l'air si bon? Si bon? Mais quoi? Les toilettes sont bonnes, mais je sais pas si vous là, vous faites partie de ce genre de personnes qui regardaient ce genre de vidéos. Je veux une explication tout de suite, parce que c'est sûr, hein. Dans ma communauté, c'est sûr, il y a des gens qui tombent sur ça et qui regardent ces vidéos. Et expliquez-moi pourquoi vous regardez ça. Non, mais là, voilà, vous vous mettez pause. Non mais là maintenant voilà, si vous regardez ce genre de vidéo, vous mettez pause et vous m'expliquez pourquoi vous regardez ces vidéos. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça vous détend? Est-ce que ça vous procure quelque chose? Racontez-moi. Je vous jugerai absolument pas. Pour c'est bon. On va regarder celui-ci qui a fait 64 millions de vues. KBD2836. What? C'est quoi ça? C'est un ovni? Wesh. Les effets sont trop stylés. Mais pourquoi il y a des tout? Mais pour... Qui a inventé une tête qui est dans des toilettes et... Pourquoi il y a des gens qui courent derrière? Mais on est où là? On est dans un autre monde parallèle. Mais c'est quoi? Et c'est quoi ça? Pourquoi il y a un pouce vers le haut? Bah mettez le pouce bleu. Attendez, je comprends pas. Je vais taper sur le web. Qui a créé Skibidibi? Yes. Yes. Il n'y a pas? Et je vais écrire en anglais. Who made... KBDB Toilette. KBDB Toilette is a series of source filmmaker video by YouTuber DaFuckBoom. C'est flippant. Déjà son pseudo et il est très très flippant. Et ça se voit, c'est on dirait un truc de hacker. Attendez, on va taper sur YouTube. DaFuckBoom. Ah, DaFuckBoom, 12,4 millions d'abonnés et il a combien de vues? What? Mais attendez, c'est quoi? C'est pas des millions, c'est des milliards. Attendez, 5 milliards de vues. On va aller dans ses vidéos. Oh, c'est flippant, regardez-moi. C'est super flippant, c'est terrifiant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez-moi cette tête. Non, je suis désolée, mais c'est effrayant. Les gars, je crois avoir trouvé l'origine de Skibidibi Toilette. Let's go. J'aurais jamais cru un jour dire ça. Genre, je fais une vidéo sur des toilettes. Ouf, pas cette chaîne. Regardez, vous êtes autant nombreux à me suivre. Regardez le nombre de trophées qu'il y a. Merci pour ça, en fait. Donc ça, mon quotidien. Non, regardons. Donc, j'ai trouvé une trouvaille de Zeng Zeng. Skibidibi Toilette, saison 1. Alors, écoutez, on va regarder Skibidibi Toilette. D'où ça sort réellement? C'est la vidéo numéro 1. La number one. Oh, regarde. Pardon, mais je veux pas regarder ça en toute normalité. Le début de la musique, il s'agit What the heck is going on, on. Ça veut dire, what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et là, il y a des tableaux trop bizarres de têtes. C'est quoi ça? Il y a une tête qui... Eh, mais faut vraiment qu'ils arrêtent de faire des gros zooms comme ça. Et c'est qui sur le tableau là, à droite ou à droite? C'est le créateur de KBDB Toilette? Ça là, ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Épisode 2. Donc on est passé là de toilettes à des urinoirs pour les garçons. Mais vous imaginez le traumatisme que ça peut créer chez les enfants? Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais trop peur d'aller aux toilettes la nuit. J'avais peur qu'il y ait un crocodile qui vienne me manger le popotin. Mais là, vous imaginez, vous avez peur de tomber sur un Skibidibi Toilette. Un mec là, comme ça, là qui sort sa tête comme ça. Mais c'est flippant! Les petits doivent avoir peur, j'en suis sûre, c'est sûr. Wesh! Pourquoi il y a une perruque qui... Eh, c'est quoi le mot? What the fuck? Eh, il y a des têtes de mort. Non mais c'est flippant. Le nombre de flippants que j'ai dit dans cette vidéo, franchement, vous avez intérêt de le compter. C'est quoi cette nuit? Plus jamais. Je déteste quand on fait des gros plans comme ça là, sans même prévenir qui ce soit, des screamers comme ça. Pourquoi y a, on dirait un gars au fond? C'est qui? C'est quoi cette tête? Wow, regardez-moi leur tête là. Lui, elle. Il serait comme ça. Flippant. Skibidi, top, yes. Faut m'expliquer, faut vraiment m'expliquer, j'allais réagir, j'allais dire un truc et là il y a une grosse tête qui rentre comme ça. En fait, je pense peut-être savoir pourquoi il y a autant de vues dans ce genre de vidéo Skibidi Toilette. Vous savez pourquoi? C'est complètement what the fuck. Donc les gens, ils ont envie de savoir pourquoi il y a ça. Et donc en fait, on regarde toutes les vidéos pour en savoir plus sur cette merde. Cette merde de tête, cette merde bah, dans les toilettes. Il y a plein de toilettes qui passent, mais what?
Non, c'est trop flippant. 90 millions de vues, je pense que c'est le short qui a fait le plus de vues sur YouTube. À cliquer dessus. J'ai peur. L'effet sonore était tellement réaliste, j'avais l'impression de me prendre un coup. Au montage, je veux un replay de ce qui vient de se passer au ralenti. What? Mais pourquoi il y a une tête enceinte? Mais vous imaginez l'imagination du mec? $104 millions. Pourquoi il y a une tête? Mais what? What? Pourquoi il saute? Mais pourquoi c'est une caméra qui sort, genre? C'est une caméra, ça? D'accord, mais il y a deux mecs qui sont en train de se battre avec une tête de caméra, il y en a un qui arrache sa tête de caméra. Mais what? Je regardais le commentaire. Bro, you need an Oscar for this. Dafuck boom. Je sais pas, soit c'est un mec, il a trop d'imagination et il est vraiment trop fort, il sait des choses que nous ne savons toujours pas. Ou soit il est complètement crazy. He's fucking crazy. Et il a des idées vraiment farfelues et il est fou et j'ai très peur de lui. Deux réelles possibilités. Vous optez pour laquelle dans les commentaires? Je pense qu'on en a assez vu. Si vous voulez une autre partie sur des histoires un peu bizarres comme ça là, comme des chaînes YouTube un peu bizarres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous écouterai. Prenez soin de vous et puis... Bonne nuit, faites de bons cauchemars. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.